هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Chers frères et sœurs, nous abordons aujourd'hui le deuxième jour du mois de Ramadan. Et je voudrais avec vous, inshallah ta'ala, ouvrir la deuxième partie du Saint-Coran, le Coran Karim, et de découvrir avec vous ce très beau verset, ce verset qui nous inspire en réalité, ou qui doit nous inspirer, en tout cas moi personnellement il m'inspire, c'est le verset suivant. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Le mois du Ramadan, c'est le mois durant lequel le Coran a été révélé. الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس, comme guidé pour les hommes, وبينات من الهدى والفرقان, et porteur d'évidence, de guidé pour les hommes, mais aussi de clarté, de discernement. Ce verset de la deuxième partie du Coran, du Saint-Coran, en quoi peut-il m'inspirer moi personnellement? Je me permets de partager avec vous ces quelques réflexions. En fait, il m'inspire parce que quand je réfléchis au rapport que je dois avoir moi personnellement avec le Saint-Coran, que nous devons avoir aussi avec le Saint-Coran, j'en arrive à la conclusion que jusqu'à présent, je commence par moi-même bien sûr, mais aussi je m'adresse à nous tous et tous, nous n'avons pas encore donné pleinement le droit qui revient à ce livre saint. Parce que ce n'est pas un hasard si le Seigneur subhanahu wa ta'ala a lié ce verset au mois de Ramadan. Ce verset, s'il est lié au mois de Ramadan, c'est parce que c'est à travers ce jeûne de Ramadan que nous célébrons la descente de ce livre. C'est à travers ce verset ou à travers le jeûne de Ramadan que nous remercions, nous louons, nous glorifions le Seigneur subhanahu wa ta'ala. Ce sont tous des actes que nous faisons au quotidien. C'est à travers tout ça que nous nous permettons de nous en remettre à Dieu, de le remercier pour ce bienfait que constitue et incarne le Saint-Coran. Alors la question que je me pose, Al-Qur'an Karim, le Saint-Coran, que peut-il m'apporter dans mon quotidien? Est-ce juste un livre que je vais lire pendant le mois de Ramadan? Et une fois le mois passé, je l'oublierai? Ou bien est-ce un livre qui doit justement me permettre d'ouvrir une nouvelle page dans ma relation avec Dieu, avec Allah Azzawajal? En tout cas, pour ma part, c'est ce que j'ai compris. C'est ce que j'ai saisi, de ce contact que j'essaye d'établir avec le Saint-Coran. Vous savez, c'est à l'image de quoi? C'est à l'image de celui qui est en mer. Celui qui est en mer, il essaye d'entrer en contact avec la base, afin de lui faire part des dernières informations ou peut-être de sa détresse, ou même de son souhait d'être guidé dans l'océan. Eh bien, c'est un peu à cette image-là que je vois ce verset. Lorsque j'ouvre la page de ce livre, pendant ce mois, mais aussi en dehors de celui-ci, je dois essayer de m'imaginer que je suis en train d'essayer d'établir un contact avec Allah Azzawajal, avec Dieu, à l'image de ce capitaine du bateau qui tente d'entrer en contact avec la base pour être orienté dans l'océan. Pour moi, c'est la même chose. C'est être orienté dans l'océan de la vie. Un océan qui est tumultueux, aux vagues multiples. Comment faire en sorte que ce Coran, ce Saint-Coran, mais aussi ce jeûne de Ramadan puisse m'aider, tous les deux, alors que ce sont les deux actes justement qui
intercéderont en notre faveur, comme nous l'apprend le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Eh bien, c'est ce que j'ai compris de ce verset et c'est ce que j'ai voulu partager avec vous. Vous savez, ce verset était d'ailleurs, en toute franchise, c'était l'une de mes sources d'inspiration qui m'ont conduit à l'approfondir davantage. Bien sûr, ce n'est pas la seule raison, mais en tout cas, l'une des sources d'inspiration. À travers l'écriture, où j'ai tenté, je me suis arrêté à maintes reprises, je me souviens très bien, parce que quand on rédige un ouvrage, on vit avec la thématique. Je me suis arrêté à maintes reprises, subhanallah, avec ce verset, en essayant de comprendre le message qu'il essayait de me délivrer, en décelant le moindre signe, en essayant de me mettre dans le contexte de ce verset, sachant que le jeûne de Ramadan était institué l'an 2 de l'Hégire. Le Coran avait déjà été révélé depuis la phase mécoise. Le Coran a déjà entamé un voyage. L'institution du jeûne de Ramadan ne fait que confirmer cette descente première du Saint-Coran qui s'est déjà produite à la Mecque. Vous voyez, tous ces éléments m'ont permis justement d'essayer d'approfondir cette relation qu'il y a entre le Saint-Coran et entre le jeûne de Ramadan. Pourquoi? Parce que le Saint-Coran, c'est la boussole. Le jeûne de Ramadan, c'est l'instrument. L'instrument qui va me permettre de servir Dieu. Et le Coran, c'est la boussole parce que c'est avec le jeûne que je me dirige vers le Coran. Je l'explique d'ailleurs dans mon livre. J'explique qu'à partir du moment où le croyant est libéré de la faim, ou plutôt est libéré de la nourriture, des aliments et des boissons, son âme est plus encline en fait. Son âme est beaucoup plus encline à écouter la parole divine. Contrairement au cas où nous passons toute la journée à manger, à boire, nous sommes envahis par la paresse, la fainéantise, nos idées ne sont pas souvent très claires. Ici, l'énergie est dégagée. Et c'est pour ça que c'est très beau de voir que le verset, ou plutôt que le Coran, accompagne le jeûne de Ramadan. Et que le Coran inspire le jeûne de Ramadan. Et que c'est à travers le jeûne que nous devons nous diriger vers ce Coran. Parce que Allah Azza wa Jal nous offre ce jeûne comme une opportunité qui n'a aucun égal pour pouvoir renouer ce contact avec lui à travers son livre et sa parole afin de la méditer. Ça, c'est le fond de la pensée, le fond de la réflexion que j'ai retenue et que j'ai mis par écrit après de nombreuses réflexions et de nombreux arrêts autour de ce livre, autour de ce verset, mais aussi d'autres versets. Ce que je veux que vous reteniez, mes chers frères et sœurs, c'est que le Saint-Coran, le Coran Karim, doit pouvoir inspirer nos vies. Au-delà du tafsir qui est important pour comprendre l'exégèse, qui est important pour comprendre la parole divine, mais nous avons besoin d'un autre rapport aussi avec le Saint-Coran. C'est ce rapport direct, intime. Parce que nous avons tous expérimenté ce fait, certains versets nous parlent plus que d'autres. Parce que certains versets nous rappellent une histoire, nous rappellent une partie de notre vie ou un épisode de notre existence. La relation entre le Coran et le jeûne de Ramadan, alors que nous sommes bien entendu dans ce mois béni, je l'ai approfondie dans cet ouvrage que j'ai dénommé « Jeûne de Ramadan, éthique et précepte ». D'ailleurs, vous trouverez dans cette vidéo la description du lien qui vous permettra, Inch'Allah ta'ala, d'approfondir avec moi, parce qu'à travers ce livre, je vous accompagne. Je ne suis guère très loin de vous. Je vous accompagne, Inch'Allah ta'ala, pour mieux comprendre ce verset que nous venons de partager avec vous et d'autres aussi qui vont nous éclairer notre chemin et servir de jalon pour aller vers celui qui nous a créés, qui n'a cessé de nous aimer à la seule condition que nous fassions un pas et même des pas vers lui. Barakallahu fikoum et j'ai voulu absolument partager ces réflexions avec vous. J'espère, Inch'Allah, qu'elles seront utiles avant tout pour moi-même mais aussi pour vous toutes et tous qui m'écoutez, m'observez à cet instant. Je vous souhaite à vous toutes et tous un excellent mois de Ramadan
et qu'Allah accepte nos œuvres et les vôtres, inshallah ta'ala. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا